Après combien de coups c'est bon pour vous? 4. 4 coups. What? Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Rita. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. 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 Moi c'est Francky. Ina. Yolande. Après combien de coups c'est bon? Vous êtes satisfait? Après combien de coups c'est bon pour vous? Après combien de coups c'est bon? Vous êtes satisfait? 1 million. What? Moi c'est Francky. Moi, c'est Mr. Tiger. Enchanté, Mr. Tiger. Ouais. Vous êtes un chanteur, un danseur? Artiste, rappeur, chanteur. Artiste, rappeur, chanteur. Est-ce que tu peux donner ton Insta, comme ça les abonnés peuvent te follow? Oui, sur ma page officielle, Mr. Tiger officiel, ou alors sur Babi Ahmed, Instagram, Mr. Tiger, et sur ma chaîne YouTube, Mr. Tiger. Mr. Tiger. Alors, notre chaîne YouTube, c'est Rago Jeune, et vous pouvez aussi vous abonner, comme on va également chercher à nous abonner sur votre chaîne. Le but de la question est de savoir, après combien de coups c'est bon? Généralement, je me rassasie après 5 coups. Tu te rassasies après 5 coups? Oui, après 5 coups. Et maintenant, si tu es gourmand, est-ce que tu peux aller au-delà de 5, 6, 7, voire 8, si la fille demande? Généralement, je n'ai jamais essayé parce que je me dis peut-être après ça, c'est le sang qui pourra couler. D'accord. Donc après 5 là, tu sens que ça ne va plus? Oui, oui, ça ne va plus puisque les pieds sont fatigués aussi. Et le troisième pied, il fait carrément mal. Donc, vraiment, ouais. Et si la go dit qu'elle veut? Qu'elle veut encore? Peut-être là, je vais aller avec les doigts. Pardon? Ce sera les doigts, ouais. Donc ce sera maintenant les doigts qui vont faire la fête? Oui, les doigts, carrément. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Et est-ce que si tu tombais sur une fille qui après un coup te dit que non, c'était bon? Elle ne peut plus. Carrément, je vais la barrer. Elle te dit non, ça va, c'est bon, c'est son niveau. Non, carrément, je vais la barrer. Elle est belle, sexy, élégante. C'est le genre des filles que tu rêves vraiment d'avoir. Si c'est pour une première, je vais comprendre, mais je vais déjà l'aviser que pour moi, c'est au moins 3 coups. Mm-hmm. Voilà, que j'admets au moins 3 coups. Donc la prochaine fois, elle va s'arranger, si elle aussi elle-même, à me donner au moins 3 coups. Au moins 3 coups. Voilà. Et si elle ne peut pas? En fait, elle dit qu'elle ne peut pas. Si elle dit qu'elle ne peut pas, alors je dis non, je passe à autre chose. Donc elle est au champ? Elle est au champ directement. Directement. Je te remercie. Merci, merci aussi à vous, merci. De quel coup parlez-vous d'abord? Des coups, quand tu avais ta copine dans la chambre, après combien de coups? Ah d'accord, je vois. Bah déjà, je pense que 3-4 coups c'est bon. 3-4 coups c'est bon. Ouais. Est-ce que tu y es allé au-delà? Bon... je sais pas trop, mais je peux dire oui, je pense oui. Un jour, tu as bien mangé, tu as bien bu, tu peux aller au-delà, tu peux faire combien comme ça? Bah, comme je l'ai dit, pour appuyer sur déranger, 5 coups. 5 coups? Ouais. Donc tu peux aller au-delà? Non, je peux pas aller au-delà. Tu peux aller au-delà, là, c'est fini. D'accord. Et même jusqu'à là, c'est trop, hein? Jusque-là, c'est trop. Ouais, c'est trop en fait. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un là qui m'a dit que son minimum, c'est 6 coups. Minimum. 6 coups, la personne va mourir. En fait, lorsque son minimum, lui, son minimum. Minimum c'est... Oui. Même pas maximum. Non, minimum. Non, la personne va mourir peut-être. Ah bon? Ouais, c'est pas la nourriture quand même. Mm-hmm. C'est pas le bonbon ni le chocolat, tu vois. Mm-hmm. Donc, dans ce sens-là, c'est trop. Moi, je dis que c'est trop. Je pense que c'est trop. Mm-hmm. Ouais. D'accord, je te remercie mon frère. Ah, merci à vous. Revenez. Mais est-ce que vous êtes déjà allé au-delà de 4? Non. Vous n'êtes pas encore allé au-delà de 4? It's impossible, I can't. I'm gonna die. Pardon? Vous n'êtes pas encore allé au-delà de 4? Non, je risque de mourir. Comment ça? Il y a une fille qui m'a dit là qu'elle a déjà fait 9, elle est allée à 9, 10. Ça dépend de chaque personne. Non, 3 c'est bon. 3 c'est bon. 4, bon, c'est encore supportable. Oui. Mais plus de 4 là, c'est la mort. Plus de 4 c'est la mort. Mais donc après combien de coups tu dis que voilà c'est bon, j'ai eu mon compte. Après combien? 4 coups. D'accord.
Et tu es déjà allé au-delà. Ton max que tu as fait, c'est combien? 4. C'est ton max là-bas? Oui. Ok. Et si c'est que l'occasion t'est donnée, tu peux aller à 8, 9, tu peux faire 6. C'est impossible. Impossible. Non, c'est impossible. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Ok, je te remercie, ma chérie. Après combien de coups? C'est bon. Vous êtes avec votre copine dans la chambre. Après combien de coups vous sentez que non, ça va, c'est bon? Non, autant que vous voulez. Vous voulez, que vous voulez. Ok. Et vous-même, pour que vous, vous sentez que c'est bon? Non, il n'y a pas de temps déterminé pour cela. Même avec un coup, ça peut être bon. Ça dépend. Le record que vous avez déjà battu dans ce cas, dans ce sens-là, c'est... Non, là, non, pas déterminé. Bon, en fait, je peux vous donner juste un point de vue comme oui, ça. Bon. Un point de vue. À 3 coups, quoi. 3. Oui. Mm-hmm. Mais vous pouvez quand même aller au-delà. Oui, plus au-delà, au-delà. Mm-hmm. C'est possible. Mm-hmm. Si elle n'est pas... Fatiguée. Oui. Non, c'est maintenant elle qui se fatigue, en fait. Oui. Puisque moi, je suis un homme très viril. D'accord, je te remercie, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Là, lorsque l'on parle de coups, on fait allusion à quand vous êtes avec votre copine dans la chambre. Oui. Après combien de coups avec elle, c'est bon. Vous dites que non, là, aujourd'hui, j'ai battu les records. Non, mes records, c'est 4. 4? Ouais. 4 coups. Bon. Donc, si c'est que la fille arrive, elle fait un coup, elle dit qu'elle est fatiguée, qu'est-ce que vous faites? Non, bon. Pour ça, là, je lui donne un peu, je lui donne le temps de se reposer. Et puis, ouais. Non, après un coup, elle dit que non, elle n'est plus là, elle ne veut plus. Non, ça va, elle atteint son apogée. C'est à l'homme de remonter sa femme, donc l'homme connaît sa femme et puis c'est comment. Oui, justement, elle te dit que son niveau, c'est un coup. Qu'est-ce que tu fais? Non, je vais chercher tous les moyens qu'il faut pour la réanimer, quoi. Non, c'est juste ça. Pour la réanimer. C'est une question de juste de la réanimer et puis bon, elle va reprendre le goût et puis bon, elle reprendra la... Elle reprendra l'action là où elle avait commencé. Oui. D'accord. Et en termes de record, quel est ton record de coups au lit? Moi, mon record, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est 4. 4? Ouais. Tu as dans le plus grand nombre de coups, ouais, que tu as? C'est 4, 4 là, c'est déjà bon. Et si tu arrives sur une fille, elle dit qu'elle veut faire 5, 6? Non, je ne peux pas. Je peux pas. Là, c'est, là, elle veut ma cercueil. Non, elle a bien préparé, elle arrive avec une bonne nourriture, la nourriture que tu aimes. Elle se met dans les conditions. Elle te met dans les conditions. Après 4, elle dit qu'elle veut continuer. Parce que même dans les 4, là, c'est moi qui... Je sais à quel moment je peux me libérer également. Donc, je vais gérer mes temps. Parce que l'objectif, même dans les 4, là, c'est elle qui va épuiser, qui va être fatiguée en premier. Ce n'est pas moi. Donc, je gère de manière que dans les 4 là, elles soient carrément à plat, quoi. Mais il peut arriver qu'après 4 là, c'est après, plutôt toi qui t'envoie au tapis, hein. Non, mais je prends, si j'arrive à 4, ça veut dire que cette fille là, elle est vraiment, elle s'est bien préparée, mais dans le cas contraire, 3 là, c'est déjà largement suffisant. C'est largement suffisant. Ouais. Il y a toutes les formules pour toutes les situations, donc. D'accord. Donc, c'est scientifique en fait. C'est scientifique. Je te remercie, mon frère. Merci. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Rita. Enchantée, Rita. Enchantée, Francky. Si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Tu peux faire un coucou à nos abonnés. Coucou. D'accord. En fait, nous voulons savoir, après combien de coups, c'est bon. Vous êtes satisfait. Vu que nous sommes des jeunes, à partir de la trentaine, pas de la trentaine, la vingtaine, tu es censé être déjà... Tu ne peux plus être vierge. Ouais, forcément. Bon, le goût, c'est que le... Le goût, après combien de coups le tu sens le goût d'abord, c'est... non, oui. Le goût que tu ressens après combien de coups. Ouais. Si c'est moi... Restez dans le champ de la caméra, s'il te plaît. Si c'est moi, c'est... Minimum 3 pour minimum ressentir. 3. Oui, maximum 4. Et c'est bon. Et si le gars arrive un bon matin et te dit que non, il veut faire 6. Il a toute l'énergie de la terre, il est chaud. Ok, on va se diviser. Il commence d'abord à 4 le matin. Mm-hmm. Et le soir, quand il rentre, on finit les deux là. Non, il est là toute la journée, il a son temps. Il veut faire toute la journée. Non, il veut faire 6. Ok, ça va. C'est pas possible alors. Et si tu tombes alors sur un gars qui dit que après un, il fait un pas de 15 secondes et puis c'était bon, il est mort. Gars, c'est forcément que je vais le tromper. À part si je vais le tromper, si me donne là, elle le trompe. Mais si mais ça a rien. Tu le chasses même. Je le chasse une fois. On ne perd pas le temps. D'accord. Je te remercie, ma chérie. De rien, merci aussi. Moi, c'est Franklin. Moi, c'est Syrienne. Enchantée, Syrienne. Merci. C'est un prénom rare. C'est un très beau prénom, Syrienne. Ça vient d'où? Des Caraïbes. En fait, moi, je ne sais pas vraiment.
tu ne sais pas vraiment. Mm. Tu n'as pas cherché à savoir. Mm. C'est Mambo et tu prends ça comme ça. Non, ce sont mes parents, donc je ne sais pas. Oui, mais le prénom est beau et tu prends comme ça. Tu dis que bon, comme ils ont choisi un beau prénom, ça t'arrange. Oui, ça m'arrange. Et j'aime bien ce prénom parce que c'est original. Rare et c'est unique. Donc... Très bien. En fait, si nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube qui fait déjà des milliers de vues. Et nous voulons savoir, après combien de coups, vous, c'est bon, vous êtes satisfaite. Après combien de coups? Oui. Moi d'abord, j'ai pas trop fait les couples. Non, les coups. Genre, tu es dans la chambre avec ton gars, vous êtes en train, dans vos ébats. Après combien de coups, c'est bon? Pour moi, c'est ma vie privée, donc je peux pas exposer ma vie privée. Non, c'est juste une affaire de chiffres, non. Tu peux dire 2, 5, 10. Les gens en parlent. Nous sommes tous jeunes, donc. Oui, nous sommes jeunes, mais pour moi, c'est comme ma vie privée, donc. Après combien de coups, c'est bon. Lui-même, il aimerait savoir. Si c'est qu'il regarde la vidéo, il aimerait vraiment savoir. Parce que deux fois, quand il est avec toi, il ne sait vraiment pas si c'est qu'il... Il ne sait vraiment pas si il t'a déjà... Tu vois un peu, ça peut l'aider. C'est comme ça un coup de pouce que tu lui donnes sans t'en rendre compte. Hein? Comme je vous ai dit, c'est ma vie privée. C'est ta vie privée. On respecte ta vie privée. Merci beaucoup. Merci. Après combien de coups, c'est bon. Vous êtes satisfait. Bon, je n'ai pas encore essayé. Tu n'as pas encore essayé. Et tu t'imagines dans ta tête que c'est après combien de coups que tu peux être satisfaite? Bon, je parle souvent de ça, mais je dirais 4. 4? Peut-être. Ouais, c'est toujours un bon nombre. Ce n'est qu'une affaire de chiffres. Tu peux toujours dire 5, 6, voire même 10. Ce ne sont que les chiffres. Hein? Très bien. Alors, et après, bon, c'est vrai que tu m'as dit que tu n'as pas encore expérimenté, mais tu t'es dit que, à quand? Est-ce que ça t'arrive quand même de réfléchir déjà dans ce sens? Oui, parce que la personne avec qui je suis me met la pression, en fait. Mm-hmm. Il m'arrive parfois de penser à ça, mais juste... Tu n'es pas encore prête. Mm-hmm. En fait, c'est ça. Mais moi, je te conseille de prendre ton temps, hein, jusqu'au jour où tu sentiras que tu es prête. Là, maintenant, tu te lances. Mm-hmm. Comme ça, tu te lanceras... à tête. C'est une question de joyeuse. Après combien de coups avec votre garde dans la chambre, c'est bon? Vous êtes satisfaite? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Déjà, vous êtes avec votre copain dans la chambre, vous faites les choses que vous faites. Après combien de coups, c'est bon? 3 coups. 3 coups. Mm-hmm. Donc, s'il fait 2 coups, c'est pas bon. 1 coup, par exemple, c'est pas bon. Mm-hmm. Mais il faut qu'il aille. Il doit faire 3. Et s'il décide de faire 5, vous refusez? Il refuse. Comment ça? Il veut, il a encore envie. Il veut faire 5, il veut mal au-delà, 6. Il n'accepterait pas. Et pourquoi ça? Pour rien. Tout simplement parce que tu ne veux pas. Mmh. Ok, je te remercie. Merci aussi. Après combien de coups avec votre copine, c'est bon? Avec combien de coups? Oui, après combien de coups? Après que vous êtes soussaillé dans la chambre, vous avez fait combien de fois? Après combien de fois, c'est bon? C'est bon, tu es content, tu es satisfait. Ah, ok. 3 fois comme ça, c'est bon. Ouais, 3 fois. Mmh, je sais. Et comme 3 fois, je suis satisfait. 3 fois, c'est bon. Si elle est active, si elle bouge bien. Ouais, si elle bouge bien. Même moi, ma force, ça s'arrête à 3 seulement. À 3 seulement. Ouais. Donc tu parles au-delà. Et ton record que tu as battu, c'est combien? Le record là, le premier là, c'est 5. 5. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux aller au-delà de 5? Le jour où tu as bien mangé, tu es solide, tu penses que tu peux aller au-delà? Non. Tu n'as pas encore essayé? Non, je n'ai pas encore essayé. Je te remercie, mon frère. Okay. Mon Dieu! Il est passé à la jambe! Donc pourtant 1 million, c'est le summum alors. Non. C'est le minimum. C'est le minimum, mais... Et 100 000. 100 000, c'est quoi, tu dois? 100 000, c'est rien. 100 000, tu peux faire quoi? Alors, combien? Ok, bon, revenons alors maintenant à notre question. C'est quoi alors? Après combien de coups, c'est bon? Moi, je dirais que ça dépend de la manière dont le premier coup est fait. Mm-hmm. Ça dépend. Ça peut être après 1 coup, 2 coups, 3 coups. Ça dépend de la manière dont l'homme se comporte. Mm-hmm. Et toi, tu as déjà fait combien? Tu as atteint combien? Ton record, c'est combien? C'est trop personnel. C'est trop personnel.
C'est trop facile. Tu peux juste dire un chiffre, 10, 5, ce sont que des chiffres. C'est pas que ce n'est qu'une affaire de chiffres. elle est forte pour les choses comme ça. Elle est forte pour les choses comme ça. On te pose les questions. Oui, elle même va répondre, non. Je suis dépassée. Non. Ah, moi je ne connais pas. Hein. Donc tu ne connais pas le record que tu as battu? 2, 5, 10. Parce qu'une fille m'a dit tout à l'heure là, qu'elle avait fait 8 heures. Et tout aisément comme ça. Moi je suis novice dans ce monde. Mm-hmm. Donc tu découvres encore la chose. Voilà. Tu as découvert avec 2, 3, 4, 5. Il y en a qui découvrent même avec 6. Hein. Non, avec 3. Avec 3, non. Ah, ah. Et toi, tu as découvert avec comment? C'est celle qui est forte pour les choses. Parce qu'elle n'a pas le souffle. Peut-être pour elle. Ah bon, hein? Ah, ok. Non, t'as pas ces 3. Le max que tu as. Ton record. Moi, ça dépend. Bon, ça dépend de l'homme. De la manière dont il se prend. Ça peut être même 15, ça peut être même 3. Donc, ça dépend. Ça dépend. Je te remercie. Au moins 5. Après 5, tu sens que c'est bon. Que tu peux aller à te laver et dormir tranquillement. Dormir jusqu'à demain. Et ton record que tu as battu, c'est combien? 5 ou bien 15? 6. Waouh! 6 et les 6 là, c'était parce que tu avais bien mangé ce jour-là. J'avais beaucoup mangé. Je te remercie. Merci.